Salut mes petits igloos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là voilà, je débarrasse un peu les caves à la vieille maison. J'ai plein d'éléments de meubles, de lits, de vieux lits en chêne et tout. Que je stockais, du coup bah, je les ramène là petit à petit, puis on le crame, ça fait du bois gratos. Bon je sais, c'est pas non plus... Il y a un peu de vernis sur certains trucs, machin et tout, mais bon, ça brûle, ça chauffe et c'est gratos. Et du coup, ouais, les amis, là, j'ai en ce moment. Donc, oui, je commence un peu à débarrasser les caves et tout aussi. C'est parce que là, j'ai baissé un peu la maison depuis un mois. Enfin, bien même. Et du coup, j'ai pas mal de visites. Dont une au matin, ben, je sens qu'elle sent bon. Voilà. Enfin, je m'avance pas trop vite, mais à mon avis, ça sent bon. Celle du matin, là, que j'ai fait. J'en ai encore une tout à l'heure à 16h. Donc, du coup, bah, j'en profite. Là, on n'a plus de bois, donc je pose tout ce qu'il y a dans les caves de la vieille maison. Hein, ça brûle. C'est des choses qui serviront quasi plus. Vous voyez, c'était des éléments de lit, de vieux lits en chêne, de meubles et de ça que j'avais gardé en cas où. Ben bon, au moment, hein. On peut pas. Enfin, voilà. Ben, bref, ça chauffe. C'est pas gaspillé, on va dire. Ça. Bah ça finit sa vie dans un poêle à bois, donc c'est bien. Du coup, oui, les amis, là, je vais m'occuper de ranger ça vite fait sous l'abri là-bas. Ça fera un petit peu de bois pour une partie de la semaine, on va dire. Et puis après, les amis, on va retourner, vous savez, où j'ai eu... la personne m'avait contacté pour récupérer... ce que j'avais récupéré beaucoup d'ordinateurs, d'écrans et tout ça. Elle m'a rappelé parce qu'elle a encore des choses à débarrasser. Apparemment, il y a un poêle à pelet. Il y a encore pas mal de petites choses, donc on va aller voir à ça. Ouais, week-end bien rempli les amis. Et la chaudière est toujours là, je pense qu'on va voir ça dans une prochaine vidéo. Et du week-end, c'est bah, débarrasser ce que je viens de vous dire là cet après-midi. Ensuite, on fera peut-être pour la prochaine vidéo le démontage de la chaudière qui est là ou celle d'après. Il faut aussi que je fasse la place dans la camionnette pour pouvoir mettre le meuble. Vous voyez le petit meuble en rotin? Normalement, il est vendu, les amis. Il faut que je le livre à 50 km d'ici. Chez une vieille personne qui ne peut pas se déplacer, qui voudrait offrir ça à sa femme, si j'ai bien compris et tout, m'a demandé si je pouvais le livrer. Donc, je vais essayer pour lui livrer début de semaine. Donc, on va nettoyer bien propre la camionnette. Ce que je vais récupérer ce week-end, ben, pareil, je vais essayer de le descendre. Bon, il n'y a peut-être pas autant que la dernière fois, donc ça devrait le faire. Et puis, du coup, go pour une nouvelle vidéo, les amis. Et puis c'est parti quoi. Allez, je range tout ça et puis on s'en reprend voir un peu ce qu'on a récupéré en cause cet après-midi. Voilà mes petits igloos. Donc là ce matin, donc on est lundi là, on est lundi de Pâques les amis. Donc joyeuse Pâques à tous. Oui je sais, quand vous allez voir la vidéo, on sera sûrement loin du lundi de Pâques. J'ai un peu de retard dans les vidéos. Mais bah, joyeuse Pâques en retard, on va dire ça comme ça. Et du coup regardez, on a encore un beau petit bazar qu'on va strier direct. On va voir ça, je vais pas le décharger, enfin peut-être quelques petits trucs. Mais on va se le trier aujourd'hui en direct, tranquille, posé là, vous voyez. On va se faire ça tranquillement. Donc encore un beau tas de bazar de beaucoup d'appareils électriques et tout ça, les amis. Oui, il faut savoir que c'est encore...
je sais plus si je vous l'ai dit, c'est encore de ce que j'ai débarrassé la dernière fois, tout ce qui était ordinateur et tout ça. Vous voyez, en fait, les amis, c'est un, ben, c'est un ancien ferrailleur qui avait investi dans 2-3 petites maisons dans un petit village pas très loin. Et qui prend sa retraite et tout, et du coup, il m'a fait appel pour tout ce qui est bricole comme ça, qui serait plus à trier. Bon, il a, à mon avis, il a liquidé le reste, et puis tout ce qui est bricole à trier et tout ça, qu'il y avait dans les vieilles maisons qu'il avait. Et ben, en gros, il m'a demandé si je voulais le débarrasser. Enfin, c'est plus quelqu'un qui gère pour lui, enfin, je connais aussi, qui m'a demandé si je voulais le débarrasser de ça. Et du coup, les amis, d'ici quelques mois, il aura peut-être une autre. Voilà, une autre petite maison qui loue et puis que, bah, qui va devoir vider parce que bah, il vend un peu tout, je crois, son immobilier, si j'ai bien compris. Mais il a encore pas mal de bazar dedans et tout. Et du coup, là, ça sera peut-être un débarras complet. Vous voyez, pas que les trucs qui pourraient être démontés, ferraille et tout ça. Il y aura peut-être tout. On verra bien. Il m'a dit d'ici le mois de juin, on verra. Et du coup, là, aujourd'hui, là, tout de suite, là, d'ailleurs, on va se trier tout ça en direct. Donc là, on a le câble. Là, ça va être tout ce qui est alu parce que mon big bug là-bas, il commence à peser du poids. J'arrive quasi plus à le porter. Et du coup, pour le porter dans la camionnette, après, ça va être une galère. Donc, je recommence une caisse. Là, on a le carter alu, inox. Voilà, je vais compléter la caisse de laiton là. Ça sera sûrement pour le cuivre. Là, la ferraille. Là, les moteurs électriques. C'était plus ça que je voulais vous montrer pour le coup. Vous voyez tous les embouts qu'il y avait après ces barres là. Vous voyez tout ça? Bah, j'ai regardé, en fait c'est du carter alu les amis. C'est pas de l'alu, c'est pas du gros alu, c'est du carter alu. J'en ai cassé un de... juste comme ça par curiosité, j'ai mis un coup de masse. Et en fait c'est du carter alu, donc je l'ai mis dans le bidon de carter alu. Et du coup ça, bah, je fais un bidon quand même de grande longueur, tout ce qui est grande longueur en aluminium. Et puis là-bas dans le big bug, vous avez tout ce qui est petit tôle, petit objet et tout le bazar en fait en aluminium. Et puis voilà, puis des sacs poubelles bah, pour mettre tout ce qui va être plastique et tout ça, qui ça ira à la déchetterie. Du coup, encore un petit poil à peler les amis, que je vais mettre de côté pour le coup, et qu'on démontera avec l'autre, qu'on a déjà récupéré, vous voyez. Donc plutôt cool, bon ça c'est ferraille direct. Et puis voilà, puis on a encore la chaudière au fond, les amis. Ça fait 5 jours que je me la trimballe, la chaudière. On développe inox. On va aller quand même l'essayer, ce truc-là, les amis. On va voir. Con, ça s'allume qu'à un endroit les amis, je sais pas si vous voyez. Ah c'est tout, c'est tout. Bon, la vie, comme je vous dis, c'est la plupart des choses sont mortes, alors... pas à la rigueur, faudrait juste changer la guirlande après l'entourage quoi, mais bon. Ensuite vous voyez, parfois les roues de vélo, les rayons c'est en ferraille, mais la jante est en alu. Et là c'est le cas en fait. Bon, faire un test avec vous. Ouais, aluminium. Ça me demande dans les commentaires des fois l'aluminium, comment on fait pour le reconnaître. Si vous voyez comme j'ai coupé la roue, si ça se coupe tout seul, c'est que c'est de l'alu. Si l'inox c'est un peu plus dur à couper, vous voyez, ça se déchire beaucoup moins. Attendez, je vous remonte. Et là, je prends ma pince coupante. Regardez. Direct, ça se coupe en fait. C'est tendre l'aluminium. Que l'inox, c'est beaucoup plus dur. Donc, comment ça se reconnaît assez facilement. Là, il est peint, donc vous ne pouvez pas reconnaître pas la couleur parce que l'inox, ça brille un peu plus. L'alu. Bah, comment? L'alu c'est beaucoup plus mat et du coup je sais pas si... ah, tenez. Même au bruit vous pouvez l'entendre, regardez.
Oui, je sais pas si vous entendez la différence, mais à la force, vous, ceux qui, je pense que c'est ceux qui n'en font pas souvent, qui ont peut-être ce genre de soucis, mais à la force d'en faire, vous allez voir, vous allez vite reconnaître ce genre de choses. Pour les thons, une technique pour reconnaître, ou une meuleuse, n'importe, vous mettez un coup de meule. Ah, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Vous voyez, c'est un peu jaune comme ça. Mais ça, c'est du laiton. Bon, le gros câble. Un joli petit paquet de câbles, on va regarder à ça. Voyez là, c'est du petit fil. Comme je vous ai déjà dit, le petit fil, le 1,5 et le 2,5, je ne le dénude pas. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus gros. Je pense qu'on est sur du 3,5 ou 4,5 là. Vous voyez? Je sais pas si vous allez bien voir. Là, par contre, je pense que je vais mettre de côté. Et que je pense que ça, je vais le mettre de côté, cette rallonge-là. Et là, sur du gros. Et je pense que c'est quelque chose qu'on dénudera, du coup. Okay. Les appareils électriques, je vais plutôt les mettre de côté dans dans le garage. Ça, c'est plus le truc à démonter tranquille sur un atelier. Vous voyez, là, chaque fois que vous allez rechercher les outils, tout ça, au moins là-bas, j'ai tout à portée de main. Puis c'est plus le truc à faire tranquillement que plutôt de faire ça comme ça là. Donc, tout ce qui est appareil électrique, pareil. Quand, enfin, un gros tas, vous inquiétez pas, j'en ai un stock hein, d'appareils électriques. Mais je veux dire, on se fera une vidéo où on en démontrera plein. Et ça sera plus pratique de faire ça là-bas. Comme ça, ça me permettra d'essayer avant. Bah, si certains fonctionnent encore, on sait jamais. Ça, c'est de l'alu, ça, les amis. Vous voyez? Aïe, bon, ça, je m'en merde pas. Oui. Il est loin. Hop. Ça, c'est ferraille. Bon, ça là les amis, oh, dommage, ça les amis, vous voyez, tout ce qui est truc religieux, ça, en laiton, comment, en étain et tout ça, ça les amis, ça se vend super cher sur eBay. J'ai co-vendu une croix il n'y a pas longtemps, enfin, on va dire super cher, ça se vend super, ça se vend bien, et parfois certaines choses à des prix assez élevés. J'ai vendu une petite croix comme ça il n'y a pas longtemps, 30 euros sur eBay. Et vous voyez là, vu comment c'est. Celle-là, c'est du Zamac, mes amis. Ça, regardez, je la casse toute. Elle s'est cassée. Mon levier, elle était déjà loin. Je voulais vous donner un exemple, mais c'était pas un bon exemple. Donc là, on était sur une petite croix en Zamac. Vous voyez? Ça, le Zamac, moi, où je vends, ils ne le prennent pas.
Certains le rachètent, mais moi, on va dire, la première entreprise qui rachète et qui accepte le Zamac, un marchand de ferraille, les amis, il y a quasi 100 km côté. Et ça, ça sera vraiment un jour, si j'ai une grosse quantité, que j'irai le livrer à l'entreprise qui est... Ouais, il y a quand même plus de 100 km que je connais qu'il rachète. Et puis c'est tout, quoi, tout simplement. Donc ça, je vais le mettre avec ma petite caisse de Zamac que j'avais. J'en ai une collection, ça, les amis, des fers à repasser. J'en ai plein dans la vieille maison. Du coup, on les testera. Hop. Ça, c'est ferraille. C'est quoi ça? Oh, costaud engin. Qu'est-ce que c'est de ça? Et vous voyez? Là, je sais pas ce que c'est. Je vais refaire le nœud et puis on va voir. Il y en a qui a une idée ce que c'est ce truc là. Une espèce de chaîne avec des grandes bords. Oh. Ah bref, c'est pas grave. Mais avant de le foutre dans la ferraille ce truc là les amis, s'il y en a qui savent ce que c'est, vous voyez ça fait une grande chaîne comme ça, avec une boucle, avec des grandes bords. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vais le mettre de côté. On sait jamais, ça peut faire partie peut-être d'un ancien outil ou des trucs comme ça. Et ça les amis, j'aime pas trop les gaspiller, les vieux outils. Enfin, quand ils sont vraiment morts, style, il y a des trucs qui sont vraiment au bout, je m'embête pas. Mais ça, je suis curieux de savoir ce que c'est. Du coup, n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui auraient une idée. Je sais pas. Bon, ça se tombe, c'est juste une barrière ou je sais pas. Regardez, il y a ça au bout, de chaque côté. Moi, c'est un truc sur lequel je suis curieux, tout ce qui est ancien et tout ça, les amis. Du coup, je vais le mettre de côté, ça. Vous voyez les petits casiers qui sont en boîte, ça, je vais les mettre de côté, les amis. Pour moi, ranger mon bazar, quand j'aurai vendu l'autre maison là-bas, il va m'en falloir des cachettes ici, le temps qu'on reparte voyager. Les boîtes anciennes, comme ça. Parce que je crois que je vous en ai déjà montré. Parfois, les amis, ça a de la valeur, hein, ça, les vieilles boîtes et tout ça, de n'importe quoi. Vous tapez sur eBay anciennes boîtes en métal ou des trucs comme ça, les anciennes boîtes à gâteaux ou plein de choses, les amis, il y a tellement de choses. Et ça, parfois, sur eBay, ça a de la valeur. Vous avez des boîtes qui se vendent à des prix, vous voyez, c'est juste une boîte en tôle, mais... Du coup, bah, j'en ai une petite collection de ces petites boîtes-là que j'ai retrouvées dans ce débarras-là. Et du coup, je vais les mettre de côté. Je sais pas s'il y en a qui ont une idée de ce que ça, qu'est-ce que ça pouvait être. Je sais pas si c'est des bonbons, je ne sais pas. On va les mettre de côté, ces petites boîtes-là. Ça. Bon, ça, les amis, c'est Plastoc. Vous voyez, les trucs de douche comme ça. Enfin, il y en a beaucoup, les amis, c'est en laiton, en... Faites attention, il y en a en inox, vous en avez en plusieurs matières, enfin, que nous, on revend, les petits ferrailleurs, on va dire. Mais vous voyez, là, c'est du plastique, mais par contre, ça... Donc ça, c'est du plastique aussi. Mais le morceau-là, il est en laiton, les amis. Hop, ça, poubelle. Oh, ça chauffe, ça c'est ferraille. Poêle à bois et ferraille.
Voyez ça, pour allumer le feu le matin. Rien que tel. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de ce que c'est ce truc là? Ah, c'est pas un machin de pote de tapisserie ça. Bon, ça c'est pareil les amis, si on a qui ont une idée de ce que c'est ce truc là. Tu as le bête de côté, ça m'a appris. Les amis, vous voyez, il est flexible comme ça. Si je dis pas de bêtises, sinon ferrailleur confirmé, nos petits niglots confirmés, peut me dire dans les commentaires. Mais parfois, si vous voulez, le comment, ce que vous avez autour du caoutchouc, ouais, par contre, faut virer le caoutchouc qu'il y a dedans. C'est soit de l'inox, soit du cuivre étamé, si je dis pas de bêtises. Donc là, les amis, j'étais rentré, il y a une drache qui vient de tomber. Ça fait que ça, c'est casse-burne. Donc je pense que je vais passer la seconde, les amis. Et on démontrera plus en détail dans l'atelier de tout à l'heure. Parce que là, c'est chiant. Je fais que ça, tous les quarts d'heure, il y a une drache qui tombe. Encore un. Excelline. Et encore un aspirateur comme ça. On va mettre de côté. Non, c'est du lourd, les amis. Il y a du poil. Ah. Bon, je vais le garder, tiens. Ouf, c'est quoi ça? Regardez celui-là, il en colle l'étiquette après. 42 euros. Mais c'est en aluminium, les amis. Ça. Ça, inox. Lui, belle, inox. Ça, je sais pas ce que c'est, mais on le désossera plus. Bon, là, il y a du carter alu, je vois. Vous avez du laiton, un petit peu de cuivre, des conneries. Morceau du mixeur, ça se tombe, on va peut-être moyen de le retrouver complet. Il y a deux trucs. S'il y a l'étiquette encore après, c'est que c'est pas un machin qui a servi beaucoup, les amis. Donc, on verra. Et pour le coup, les vieux trucs comme ça, les amis, j'en ai déjà vendu sur eBay. Les, tout ce qui est un peu les premiers ustensiles de cuisine électriques, vous voyez, tout ce qui est batteur, mixeur, machin, mais un peu vintage, on va dire ça comme ça. Là, ça se revend plutôt bien sur eBay. J'ai vendu ce que j'ai vendu il n'y a pas longtemps. Bon, c'est 20 euros, mais je veux dire, le temps que ça m'a pris, c'est un machin que j'ai récupéré gratuit. Un vieux mixeur Nova ou un truc comme ça. Il y a un truc comme ça qui est parti la semaine dernière. Bon, câble. Hop. Et on a des couvercles en laiton. C'est en aluminium. En inox. Ça, poubelle. Hercule. Ça va peut-être essayer ça. Ça en fer forgé. Ça, c'est un truc que je vais pouvoir mettre sur eBay, vous voyez les amis. Je sais pas si vous avez bien joué. Ça sur eBay, je sais que ça partira. Tout ce qui est en fer forgé, ça partira. Ça, je vais le mettre de côté. Donc,
côtes, enfin les deux plats comme ça, parfois c'est en fonte. Vous voyez, bon, il est cassé, enfin, il est dans un état, je vais pas m'emmerder avec ça. Je le mets dans la fonte. Ah. Celle-là, elle fait un peu de poids. Et vous voyez, les amis, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Là, vous le voyez, enfin, je le vois direct, moi, que c'est une casserole en inox. Et vous voyez le poids, là. Là, je suis sûr, elle fait entre 1,5 kg et 2 kg, la casserole, là. Et ça serait en alu. Et déjà, vous l'entendez au bruit. Vous voyez, comme je vous ai dit. Vous voyez, l'inox, ça se coupe pas comme l'alu. Donc ça, je vois dire que c'est de l'inox, vous voyez. Ça se coupe pas. Là, ça serait de l'alu, la casserole, elle serait déjà coupée. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Vous voyez, ça a fait un cran, mais ça se coupe pas aussi facilement que l'alu, en fait. Donc, même avec une petite pince coupante, j'y arrive pas, avec une grosse, j'y arriverai, mais... Donc voilà, le poids, la résonance, l'aspect beaucoup plus brillant que l'alu, et surtout beaucoup moins tendre que l'aluminium, quoi. Donc inox. Oh, il repleut, c'est pas croyable ça. Oh, c'est con, il est tout rouillé, mais... Oh, je vais le garder. Je le garde. Je le finirai, mais je... Oh, bah, je l'ai cassé. Oh, bah, c'est tout. Quoique... Je l'ai cassé ou pas? Vous avez compris, les amis, je suis un fada des sièges pour faire la sieste. Moi, tout ce qui est siège pour faire la sieste, j'adore. Alors celui-là, je le mets de côté. Je le finirai, mais je ferai ma sieste dessus. Hein. Bon, ça, j'en ai. Bon, je vais faire un peu. Ça va monter. Je sais pas ce que c'est. Oh, petite radio. Bon, c'est con, l'écran est cassé, les amis. Je sais pas si vous allez voir. Les vieilles radios comme ça, ça j'aime bien en récupérer parce que ça se revend bien sur eBay. Puis j'aime bien me sauver les vieux objets quand je peux. Mais bon, des fois, enfin, tout ce qui est vieux, ouais, vieilles radios, les trucs comme ça. Même si je la revends pas cher par rapport à la valeur qu'elles sont, je les mets. Enfin, je trouve ça cool de les essayer de les sauver, les vieilles radios, les vieux appareils, les vieux outils, les trucs comme ça. Mais parfois, c'est... Ah, c'est pas toujours facile, quoi. Ça. Casse-burne des journées comme ça. Voilà, la caméra est bientôt finie. Je vais finir ça rapidement, le temps que ça se calme un peu, puis après on ira se mettre à l'abri, les amis, parce que là c'est chiant. Ah, quand vous avez le dos trempé comme ça, c'est pas... Vive les Ardennes, vous, vive, regardez-moi ça. Il y a un bon petit tas de bordel, hein, là. Vous savez quoi, les amis, j'espère qu'une chose, c'est que la maison sera vendue cette année, qu'on puisse sortir. Pareil en Espagne ou au Portugal ou en Grèce ou je ne sais pas où, mais au soleil pour l'hiver prochain. C'est tout ce que j'espère, moi, les amis. Mais bon, là, ça sent bon. Même avec la même caravane et tout, je m'en fous, mais je ne repasse plus un hiver ici. Ah là là. Bon, on va quand même s'y remettre parce que... Ah, le temps passe. Encore un morceau de lit. Oh, ces machins-là, ils font du bruit.
Il va pas te calmer un quart d'heure, 20 minutes que je finisse, mon Dieu. Vous savez quoi? Allez boire un petit café. Je vais attendre que ça passe cette connerie là. De toute façon il me reste. Bah, le poêle à pelé là les amis. J'aimerais le. Il était dans un garage celui-là. Vous voyez l'autre il était déjà stocké d'or depuis des mois. Donc pas grand chose à récupérer. Et celui-là c'est un Invicta. Et il était stocké dans un garage. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Donc c'est un machin de marque. Peut-être moyen de récupérer les pièces. Enfin bref, on verra ça plus tard, mais vu qu'il était stocké au sec, je me dis, et vu que c'est un Invictoc, c'est pas de la merde, il y a peut-être moyen de récupérer des choses que je pourrais revendre sur eBay. Donc s'il y a des gens qui ont déjà. S'il y en a parmi vous qui ont déjà vendu des pièces de poêle à pelé sur eBay, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui se vend bien, qu'est-ce qui peut se revendre et tout ça. Et du coup, je pense que l'autre, on le dépouillera que pour les métaux. Et celui-là, on essaiera de récupérer un maximum de pièces qu'on peut revendre sur eBay, tout simplement. Et puis le reste, ça sera ferraille. Je sais pas s'il fonctionne encore, ça se tombe, il fonctionne encore. Ah. Là, ma petite chérie avec les enfants. Regardez. Je suis installé là, le petit fauteuil. Du coup, le soir, je peux poser mes fesses à l'abri. Hop, tranquille. Mon bordel. Celle-là, pour que je l'installe dans la télé. T'es pas chaud dans ton pays, là. On va retourner dans le mien, parce qu'en fait, si vous voulez, les amis, là... Elle, la maison qu'on est là, c'était la maison de son papa. Donc c'est son village d'origine. Et la vieille maison que j'ai dans l'autre village, c'est le mien. Donc... Papa ah chez moi, il fait soleil. Hein. Oui, c'est à 3 km. Papa hey, t'es pas net, toi. Quoi? T'as mangé des chocolats? Non. Si, t'as mangé des chocolats, toi. T'as eu tes chocolats? Non. Moi, j'ai mangé tous les tiens du matin. Moi. Ah, j'ai été gâté. Tu voudras? Chez mamie, ici. Tu voudras? Oh, si tu me mets ça dans les potes, mon chaino, il y en a plus dans 10 minutes. Ah, c'est quoi, le guimau? Oui, je te donne. Oh, gros. Oui. Tu viens de moi, tu viens de moi, toi? T'es ma cloche? Oui. T'es tête de cloche? Tu m'amènes mes chocolats? Ah, tu te fous de moi, Miguel, lui, il ressemble au lapin de Pâques. Avec ses oreilles. Mais moi, si tu mets le paquet de guimauve au chocolat là, je vais plus bouger. Je te les donne. Par contre, ça, c'est pour moi. En fait, si vous regardez bien, les amis, j'ai l'impression qu'il y a du soleil partout autour de la maison, mais il y a un gros nuage au-dessus de la maison qui veut m'emmerder. C'est fait exprès, ça. Ouais. Je vous le dis, il y a du soleil partout, sauf au-dessus de la maison. Je te jure. Bon les amis, je rentre tout vite fait dans le garage tant qu'il pleut plus parce que j'en ai mort. Les amis, vous voyez dehors là, est-ce que c'est pas du foutage de gueule ça? Je me dépêche à finir sur la flotte. Et au moment que je finis, il y a le soleil qui arrive. Est-ce que c'est pas un foutage de gueule, ça? Il y a lui, elle vient faire ses courses, là. Elle regarde les boîtes. Non, c'est trop petit. C'est qui m'a dit, regarde si tu veux une horloge. T'as des sous, au moins, là.
Bah, y a une horloge, je sais pas si elle va. Tu peux prendre la boîte. Bon, il y a des petits trucs. Je suis sûr il y a des trucs qui vont là-dedans. La boîte, elle va pas être petite. Ça fait des étages à l'intérieur. Il y a des imprimantes. Eh, hey, top. Ben. Bah, à mon avis, ce voyage-là, tu peux oublier, c'était. La moitié était dehors, la moitié était dans un garage en tas. À mon avis, c'est des trucs qui sont wesh. Donc, les amis, on se retrouve le lendemain soir et je voulais vous montrer un truc. Il y en a une, elle a chopé ma maladie là-bas. Je lui laisse la camionnette une heure. Vous voyez, il faut qu'elle aide des amis à débarrasser des meubles et tout ça pour eux et tout ça à la base. Puis elle me ramène plein de meubles. Je sais pas si vous voyez là, le tas de meubles qu'elle m'a ramené. Elle m'a ramené de la ferraille et du coup, elle m'a ramené des roues. Un mode tondeuse, un pot catalytique, ça c'est bien ça. Toi je t'ai pas marié pour rien toi. Un beau petit lustre en laiton, des roues. Ils sont quand même les plus. Oh là là. Je lui dis. C'est pas la bonne taille. Je lui dis non, faut plus, il faut plus, il faut plus. Et elle m'en ramène parce que les amis, j'ai de bonnes nouvelles qui sent bon. Quand tu m'as dit faut plus, trop tard, le je vais pas en dire trop pour le moment. Mais il faut plus trop que je m'encombre et puis que plutôt que je vende et qu'on se dépêche à débarrasser. Quand tu m'as dit faut plus, je pense que vous allez deviner. Quand tu m'as dit faut plus, le fourgon était déjà chargé. Donc du coup, ben, dans la prochaine vidéo, j'ai quand même attaqué à ma chaudière. Du coup, là, je vais rassembler toute la ferraille au fond que je viderai à l'autre maison demain et puis remettre les meubles dedans. Parce qu'ici, elle m'a ramené ça. Le pire, c'est que j'ai plus de place en fait. Puis c'est con parce qu'il y en a des beaux là-dedans. Bon, ça, je me ménagerai l'atelier là. Peut-être que ça pourra aller là, mais j'ai encore plein d'étagères. De toute façon, il va y avoir du changement là-dedans le temps qu'on reste ici un petit peu. Mais cela, regardez. Ça, c'est des beaux petits meubles anciens que j'aime bien. Ça. Et ça, je vais essayer ce genre de choses de les vendre sur eBay. Ouais, ben justement, les petites tables de nuit, je me dis que ça peut. On peut se tenter ça sur eBay. Ouais, comme je vous ai dit hier soir, on n'a pas continué le démontage parce qu'on avait pas mal de petites commandes et tout avec Steph, on avait pas mal de boulot. Et puis ce matin, on a livré du coup le salon en rotin, les amis. Donc encore un beau petit billet. Avec la livraison de 400 €, on est tombé chez une personne, les amis, super sympathique. Non, mais franchement, on est rentré dans l'appartement. Ça serait, j'avais pas envie de l'embêter, le petit monsieur, mais je vous aurais filmé son appartement. C'était un œuvre d'art, son appartement. Je peux vous jurer que là, il y avait, en termes de décoration, il y en avait partout, de tous les pays, de tout, de tout, de tout. Il y avait des émaux de Longwy accrochés après les murs partout, des sculptures africaines. Dans son entrée, les trucs, c'est des trucs d'Afrique. Ouais, des sculptures africaines, des trucs de ouf, partout dans toutes les pièces, il y en avait partout. Mon avis, il y avait des choses qui. Et c'est quelqu'un qui est fan un peu de la décoration et tout ça. C'est un petit papy qui est fort malade et puis qui, à mon avis, sa passion, c'est un peu tout ça. Il aime bien les décorations, mais anciennes. Oui, voilà, en fait, si vous voulez, ça c'est dommage, mais après, je voulais pas l'embêter. En fait, chaque pièce avait sa. En fait, ouais, chaque racoin de la maison avait un peu sa typologie. Enfin, avait, oui, son pays, son style de décoration et tout ça. Vous alliez dans la cuisine, les murs étaient remplis d'émaux de Longwy, les amis. Enfin, mais en tout cas, un chouette monsieur. Il nous a payé le café, tout ça. J'étais installé en pleine rue de quasi centre-ville. Et je dis, oh non, on peut pas. J'avais la camette à moitié sous le trottoir et tout. Je dis, si, vous buvez un petit café et tout. Donc, des petits messieurs comme ça. Ça fait plaisir, là, c'était une belle petite rencontre. Du coup, on va trier tout ça. Et puis, je vais mettre les meubles à l'arrière pour pas qu'ils flânent la flotte parce que dans le garage, c'est impossible à les rentrer. Pourquoi tu m'as ramené ça? Ça, la rigueur, ça va vite partir, vous voyez. Mais les meubles, j'en fais quoi, moi? Surtout qu'il va y avoir du boulot, là, pour dans les deux prochains mois, les amis, ça va être rock'n'roll. Si tout se passe bien, ça va être rock'n'roll. Mais je pense que beaucoup vont le deviner. Ah ouais? Je te dis de plus m'en ramener, qu'on n'en débarrasse plus, puis c'est toi qui t'y... Je te ramène plus de ferraille. C'est toi qui t'y mets. Non, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Le petit... Enfin, si c'en est vraiment, si c'est pas peint. Logiquement, ça, c'est du laiton. Ça s'aimante? Ouais.
Non, mais des fois, c'est peut-être l'intérieur qui s'aimante, la coupelle. Ça s'aimante aussi. Ah bah, tu sais quoi, on divorce. Non, je rigole. Elle me fait faire elle me donne de faux espoirs. Hein. Je croyais que c'était du laiton. Mais bon, elle m'a ramené un petit pot catalytique, ça. Et j'en ai quelques. On m'a dit de charger, j'ai chargé. Je les garde. Comment? J'en ai jamais vendu des pots catalytiques, les amis. Comme vous le savez, j'en ai 4 dans l'eau de la vieille maison. Ça va faire 5 avec celui-là. Et peut-être qu'un jour, un jour, oui, parce que je dis plus bientôt, parce que je ne sais, les amis, vous avez bien vu, avec moi, c'est au jour le jour, c'est quand ça me prend, je fais un truc, vous voyez. Et du coup, on fera sûrement une vidéo à l'avenir sur les pots catalytiques, je pense. Et donc, du coup. Et du coup, là, on va entasser. On descend ou. Les rouleurs, apparemment, les pneus. Les pneus sont bons. Ouais, mais ils sont bons. Les pneus, c'est difficile à vendre. C'est ça le problème, non ça. Mais non, mais tu vends les jantes avec. Steph, tu te rappelles dans le passé le tas de pneus que j'ai essayé de vendre, ça part plus les pneus. Comme je vous l'ai dit, moi les amis, c'est compliqué de vendre sous le bon coin de ça par chez nous. Nous on habite vraiment dans des zones. On habite vraiment en race campagne. Hein, et du coup, on vendre sous le bon coin et sur Marketplace, c'est compliqué. Parce qu'on touche pas beaucoup de personnes, tout simplement. Nous, la première grosse ville, pour vous dire, elle est à 3/4 d'heure de chez nous. Donc, les gens trouvent leurs affaires autour de leur ville, tout simplement. Ils se déplacent rarement par chez nous. Ou vraiment, quand on met des choses qui sont un peu hors du commun. Mais autrement, c'est compliqué de vendre sous le bon coin et sur Marketplace. À part là, le Salon Rentin, vous voyez, c'est quelque chose qui sort un peu du commun. Et vous voyez, c'est une personne de la ville... On a dû le livrer et tout ça parce que la personne pouvait pas se déplacer jusqu'à chez nous et tout. Enfin bref, vous voyez, c'est pour ça que parfois je m'embête pas à vendre certaines choses et que j'en démonte et que je mets que les petites choses. Enfin bref, vous avez compris. Et du coup, on va se finir la vidéo là-dessus, les amis. Et puis moi, je vais m'occuper avec Steph de rarranger tous les meubles dans la camionnette pour qu'ils restent à l'abri cette nuit. Et puis je m'occuperai ça demain. Et puis dans la prochaine vidéo. Démontage de la chaudière là-bas parce que du coup là ça fait quasi une semaine qu'on se la trimballe. Non, c'est le chauffe-eau et là en fait c'est un ensemble. Et là il y a du poids en fonte, les amis. Là je peux vous jurer que celle-là elle pèse du poids à 3. On l'a chargée dans la camionnette à 3. Mais le compartiment chauffe-eau est plus lourd que la chaudière en elle-même. On est déplacé à 2. Ouais. C'est vrai, c'est plus facile. Bon, on va se finir la vidéo là-dessus. Si elle vous a plu, comme d'habitude, les amis, n'oublie pas le petit pouce bleu. Vous avez compris. Vous vous dis à la prochaine et puis à tantôt lundi. Allez, tchuss.